Les gars, je ris parce que ce qui s'est passé là, je n'ai jamais vu ça. On a mis épervier 3 en marche, c'est-à-dire Abidjan bouclé par l'armée, la police, la gendarmerie, tout le monde, l'armée, Abidjan bouclé. Mais lundi seulement, la journée de lundi 20, lundi quoi, 23, lundi 23, de 6h du matin jusqu'à 18h, 4 braquages. Et puis des braquages spectaculaires dans la journée. Les gens filment et ça braque au niveau de l'aéroport, au niveau de la gamme, partout. 4 braquages en un seul lundi. Ah, monsieur le directeur de la police, monsieur le ministre de la sécurité, vraiment il faut dire aux gens d'être encore beaucoup plus vigilants. Parce que 4 braquages en un seul jour, c'est trop. C'est impensable. Surtout qu'on est dans une opération épervier qui est censée protéger tout Abidjan, boucler tout Abidjan. Et puis les braqueurs, vous aussi. Les gars, allez un peu doucement. Vous devez vous organiser. Vous devez faire 4 braquages dans la journée. Vous pouvez faire 2. Parce que 4, c'est trop. C'est trop. Et moi, je vous demande pardon, allons doucement. 4 braquages, c'est un peu trop. Vous pouvez faire 1, 2, 1 de la semaine, 1 dans l'autre semaine. Je pense qu'il faut gérer les braquages. En Côte d'Ivoire, tout se négocie, tout se gère doucement, doucement, pour le bonheur et le malheur de tout le monde. Émergence, les éléphants vont jouer leur dernier match contre le Maroc. On gagne, on est qualifié pour la Coupe du Monde. On perd, eh bien la Côte d'Ivoire ne bougera pas. Moi, je n'aime pas tellement me mêler dans cette affaire des éléphants de cette année. Parce que la honte là, et puis toujours avoir le cœur meurtri là, je vais arrêter ça. Parce que l'âge que j'ai, un homme qui est âgé ne doit pas supporter les éléphants, il risque d'avoir de mourir par arrêt cardiaque. Les éléphants de cette année, je ne vais pas m'en mêler, hein, mais un ami m'a interpellé. Nathan m'a dit à un frère, il faut regarder cette équipe, on a qu'à donner notre cœur pour la dernière minute. Je lui ai dit, Yopougo est loin. Quitter Yopougo, aller supporter les éléphants au stade. Quand ils vont perdre là, tu as vu le trajet que tu prends pour revenir avec amertume. Il m'a dit, on n'a qu'à faire ça. Tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, venez le 11 au stade de Fort Wangi pour pousser les éléphants jusqu'à... C'est là que je parlais, j'ai dit jusqu'à, je ne voulais pas dire jusqu'à la victoire, jusqu'à la défaite, j'ai dit jusqu'à. Est-ce que c'est compris? Émergence, Et puis dit à monsieur le président d'appeler l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Israël. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison, dans les prisons en Israël, depuis d'autres pour 5 mois, d'autres depuis 1 an, d'autres pour 3 ans. Ils ne sont pas jugés. Ils sont incarcérés, ils sont là-bas, ils écrivent au ministre des Affaires étrangères, pas de solution, au ministre de l'intégration africaine, pas de solution, à la diaspora, pas de solution, mais alors que c'est les Ivoiriens, ils sont jusqu'à au nombre de 8. Je peux vous les citer, de vous les citer, bon, mais ce n'est pas la peine. Mais ils sont donc de 5 qui sont emprisonnés à Tel Aviv, dans des prisons israéliennes. Il faut que les gens interviennent. Et puis la dernière fois, j'avais commis une erreur en disant que l'impôt au niveau de l'EVIA c'était cher et que l'impôt était perçu sur le bénéfice, mais c'est faux. L'impôt est surtout préservé sur le chiffre d'affaires. Ce qui est exorbitant, ce qui est trop. Il faut que l'État voie sa manière de faire. Il faut pas l'impôt sur le bénéfice et non pas sur le chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires, ça devient trop et ça pénalise les choses, la culture. Je tiens à dire à tout le monde, à dire au peuple togolais, de dire aux autorités togolaises d'arrêter de brigander, de violenter le peuple togolais. Qu'est-ce qu'ils ont dit de mauvais? Ils font des revendications à main nue. Vous les pourchassez dans des domiciles pour les arrêter, pour les battre, même pour les tuer. C'est pas bon, hein? Ce n'est pas bon. Au niveau du Togo, pour que j'intervienne, je fais toujours attention parce que ce sont les enfants de Yadema, sont mes amis. Mais il faut qu'on arrête de violenter, d'infantiliser, de détruire la population togolaise. Le Togo ne sait pas d'abord beaucoup. Mais vous voulez qu'on les violente, monter des milices pour les chasser dans les maisons? Ce n'est pas bien.
C'est ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire qui a fait que jusqu'à des gens sont armés pour créer une insurrection en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas que ça arrive au Togo, ne faites pas cela. Et pitié du pauvre Togolais. Le Togo est un pays pauvre, c'est faux. Les fonctions sont mal payées, c'est faux. Ils sont maltraités, est-ce que c'est faux? Au lieu de violenter les Togolais, apporter une solution aux revendications togolaises. À bon entendeur, merci. Emergence, doyo, doyo, emergence, doyo, doyo, emergence, doyo, doyo.